Très heureux de vous voir ici aujourd'hui. D'autant plus heureux, j'ai la chance de venir faire une annonce importante aujourd'hui, je pense, pour le développement de la mobilité active et durable à Saint-Lin-Laurentide. C'est un honneur pour la même occasion d'en faire l'annonce au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault. Depuis mon entrée en politique et en tant que député de Rousseau, je suis fier d'avoir comme mission de travailler fort pour la réussite de la transition énergétique pour un Québec carboneutre en 2050. J'ai donc le plaisir d'annoncer aujourd'hui un investissement de 300 000 $ pour financer le transport actif à Saint-Lin-Laurentide. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du programme d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Ce programme est un puissant outil de financement mis à la disposition des municipalités pour créer plus d'infrastructures de transport actif et accélérer le virage vers la mobilité durable. Cette année, notre gouvernement a investi 19 millions dans cette enveloppe et a soutenu 69 projets. Donc, si on divise le 19 millions 69 projets, on parle d'à peu près 275 000 $ par projet. Ici, on parle d'un investissement de 300 000. Je me réjouis donc de cet engagement fort de notre gouvernement auprès des municipalités pour augmenter l'offre de transport durable offerte à la population. Donc, en terminant, je félicite l'initiative de la Ville de Saint-Lin-Laurentide et je vous rappelle que je continuerai, comme je l'ai fait depuis le premier jour, à faire valoir les besoins de tous les citoyens et citoyennes de Rousseau auprès de notre gouvernement. Merci. Merci beaucoup, M. Thouin. Oui, ça ne fait que commencer, puis on va continuer à collaborer. L'annonce d'aujourd'hui, il y a plusieurs angles pour moi qui sont importants à souligner. Je vais revenir là, sur le plan de la mobilité active et des bénéfices là, pour une population, une communauté, mais je veux surtout souligner la collaboration. Tout d'abord, la collaboration entre le maire et son conseil, puisque ces idées-là là, de faire des pistes cyclables, des pistes multifonctionnelles où les usagers, là, autres qu'en automobile ou en pick-up, vont pouvoir se transporter de manière sécuritaire sur notre territoire, bien, ça part d'une vision du conseil. Merci beaucoup de votre collaboration. Ensuite de ça, l'administration, évidemment, pour arriver à l'aboutissement d'une annonce comme ça, d'une injection de 300 000 $ dans une communauté de la part du gouvernement provincial, bien, ça prend de la collaboration avec l'administration pour que ceux-ci puissent remplir les demandes puis faire un bon travail. Puis évidemment, une collaboration avec notre bureau du député. Puis tu sais, je tiens à te remercier, Louis-Charles, parce que tu nous as proposé une recette en début de mandat, là, dans l'optique où on allait faire des demandes de subvention, bien, de te contacter rapidement pour que tu puisses justement faire valoir l'importance de Saint-Lin-Laurentide. Puis il y en a eu des demandes, il y en a des dizaines qui arrivent là, au bureau des ministères, c'est sûr. Puis Saint-Lin-Laurentide, on ne veut pas faire comme si on était meilleur que les autres. Je pense que toutes les communautés méritent leur place au soleil. Mais si on a une personne qui y croit, bien, dans mon livre à moi, là, les chances de réussite sont décuplées. Puis à ce titre-là, je tiens à rappeler que le maximum pour le TAPU, c'est 300 000 $. Puis on a été chercher 300 000 $. Bravo! Bravo! Fait que la collaboration, pour moi, c'est important. En politique, pour atteindre des objectifs, bien, on peut rarement faire ça seul. Puis la collaboration, c'est vraiment l'esprit derrière, là, c'est ce qu'on veut faire avec Ville Référence de Saint-Lin-Laurentide, S2L 2025 Ville Référence. On a un gros chantier, on est en plein dedans, puis les 26 400 personnes ici à Saint-Lin-Laurentide méritent qu'on vise le meilleur pour leur communauté. Puis à ce titre-là, moi je le crois, les membres du conseil aussi, l'administration, monsieur le député aussi, que la mobilité active bien, fait partie des éléments pour qu'une communauté là, ait de l'avant avec un avenir peut-être un peu plus radieux. Tu sais, l'aménagement du territoire, c'est un outil puissant pour favoriser la qualité de vie des gens, la qualité de vie d'une communauté. On parle beaucoup de santé physique qui est reliée à la santé mentale. On parle d'un environnement sain. Bien, multiplier les infrastructures de mobilité active, bien, ça va contribuer à atteindre ces résultats-là. On veut une ville à la hauteur des besoins des citoyens. Tu sais, on veut surtout relier les quartiers ensemble avec un accès facile et invitant. Puis au-delà là, de l'aspect santé, des individus, au-delà de l'aspect là, environnemental de la chose, bien, c'est le fun de croiser des gens sur une piste cyclable, en marchant, en vélo, ou en tirant un petit carrosse, peu importe. C'est plus invitant qu'en automobile où on a... Tu sais, en automobile, souvent, les gens ont tendance à lever la main de ce côté-là puis à fermer quatre doigts pour en laisser un ouvert.
Tandis que quand on est à pied ou à vélo, on a plus tendance à laisser tous les doigts ouverts et bien, y aller de l'autre côté de la main. C'est le fun, ça fait une communauté tissée encore plus serrée. On veut aussi que les changements soient invitants. Souvent, les changements dans une communauté, dans une entreprise, dans une organisation, bien, ça apporte son lot de méfiance. Puis c'est normal aussi. Mais ce changement-là, d'aménager des pistes sécuritaires, bien, je pense que c'est le fun. C'est simple à comprendre, puis c'est facile à imaginer. C'est invitant. Donc, je pense que les gens vont adhérer énormément à ça. Le 300 000 $ va servir, bien évidemment, comme « stepping stone », comme on dit, comme tremplin pour sécuriser une panoplie d'aménagements sur Saint-Laurent-Laurentide. On est en pleine la réalisation d'un plan stratégique de mobilité active pour justement être stratégique dans nos différentes interventions, pour se faire une planification sur 1 an, 3 ans, 5 ans, même pour les 10 prochaines années. Puis ce 300 000 $-là va servir dès l'année prochaine à sécuriser un paquet de pistes qui sont déjà faites à Saint-Laurent-Laurentide et en relier quelques-unes ensemble. Donc, je vous dis, soyez au rendez-vous. Les petits sauts là, réalisés S2L 2025 vont se multiplier au courant des prochains mois, des prochaines années. Puis je suis persuadé que bien, vous êtes ici aujourd'hui, puis vous allez aussi être là lorsqu'on va couper certains rubans dans des nouveaux tronçons. Puis je compte sur votre appui encore une fois, Monsieur le député. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. On peut rester disponible s'il y a des questions, quoi que ce soit. Puis, encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour cette réalisation-là.